aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confier. Car ses paroles ont embrassé mon cœur. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs dans le Seigneur, bienvenue à cette matinale du vendredi 1er août 2014. Nous allons prendre le temps avant de commencer avec une pause de musique religieuse. On se reprend après. Chers frères, chères sœurs, dans le Seigneur, c'est en Matthieu, dans son chapitre 16, les versets 24 à 28, que nous trouvons les éléments pour notre prière de ce jour. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi,
si, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors y rendre à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. La parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu demeure éternellement. Chers frères, chères sœurs, quel est le niveau de notre consécration à Dieu? Quel est le niveau d'attachement que nous avons à notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà pour cette portion de texte où le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, il montre ici les différents éléments qui traduisent le comportement de celui-là qui veut être, celui qui veut marcher après lui, le renoncement, le port de la croix et la marche derrière lui, qu'il me suive. Est-ce que nous sommes ceux-là, sincèrement, dans leur vie, qui, après avoir décidé de suivre Jésus, ont renoncé à eux-mêmes? Est-ce que nous sommes ceux-là qui portent vraiment cette croix d'être des disciples de Jésus? C'est des questions que nous devons nous poser, sans vouloir être des juges, mais dans le secret, dans l'intimité, sommes-nous capables de dire que oui, nous sommes ceux-là qui ont consacré leur vie vraiment à Dieu? Non, la consécration au Seigneur n'a de sens que lorsqu'elle est totale. Elle est totale. Notre prière ce matin doit être: Seigneur, je voudrais, puisque tu me le rappelles, je voudrais faire partie de ceux-là qui donnent un sens à leur consécration en te suivant, en renonçant à nous-mêmes, en portant la croix ici de cette contradiction, cette croix du paradoxe, d'être ceux-là qui vivent différemment dans un monde qui ne veut pas de toi. Voilà, Seigneur. Voilà, cher frère. Voilà, cher soeur, quelle doit être notre prière ce jour? Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Dieu, merci une fois de plus pour la journée de vie qui commence. Seigneur, viens me parler dans mon cœur tout au long de la journée. Fais en sorte à ce que le sens de ma consécration à toi soit visible dans tous les milieux, dans tout ce que je fais. Fais que ma vie soit entièrement livrée à toi par le renoncement que je peux vivre, refuser d'être moi-même, mais me laisser être entièrement investi par la vie qui me vient de ton Fils Jésus. C'est en son nom que j'ai prié. Amen.